Please be seated. Le Président, veuillez vous asseoir. The court is reprise now de back l'audience. In session. And again, the chamber will give the floor la chambre to the va à présent rendre la parole à l'accusation qui pourra continuer à interroger la partie civile. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Monsieur la partie civile, Mr. Civil Party, nous en étions restés à regarder le plan de Frank Tachan, tel qu'il avait été établi par les enquêteurs du bureau des juges d'instruction sur base de vos déclarations. Map of Frank Tachan, sur map le that was plan, by the on voit qu'il y a the deux réfectoires, the co-investigating judges, un based on pour les prisonniers et un autre pour les gardes. There seemed to be one area for prisoners and one for the security guards. Juste à côté du lieu d'interrogatoire. The security guards area was just next to the interrogation area. Can you please tell me if you were authorized devant accomplir un certain nombre de tâches a prisoner à vous déplacer librement et à rentrer dans ces deux réfectoires and therefore ou cuisines. To move freely about in between the kitchen area and the adjoining areas? No. I could move only non. Within the limit of je the pouvais me kitchen déplacer for the prisoners, uniquement and only when dans les limites I was ordered to go and fetch something by the guards, c'est seulement quand les gardes m'ordonnaient d'aller chercher quelque chose que guards. Je pouvais aller dans la cuisine que ces gardes utilisaient. Je voudrais clarifier une chose par rapport à, aux endroits où vous avez I dormi. Require a clarification et with respect to confronté the pour dissiper tout malentendu sleeping quarters. À un article and qui I would a like été to show you an article that was published par DCCAM, by le DCCAM, du Cambodge, the Documentation Center of Cambodia, Searching for the Truth, a document c'est entitled Searching for the Truth. La cote D22 D22/1370.2 D22/1370.2 et je voudrais to prevent all misunderstanding, I'd like to read a segment from this article that was presented to you, Mr. Sysen. À la page en anglais 00527800 et en Khmer 00527797. Il est dit ceci. Je cite. It reads the following. Et à l'attention des interprètes, je vais citer en anglais. And I shall be reading the segment in English. After a long period of time, après une longue Sen période, managed to gain Sen the trust of his guards, a réussi à gagner la confiance de ses and gardes. Was permitted to sleep in on the l'a kitchen autorisé hall à dormir with another prisoner dans la salle de la cuisine avec un autre Chin. Prisonnier du nom de Chin. Fin de citation. Est-ce qu'il vous est jamais arrivé, monsieur la partie civile, de loger dans la cuisine ou le réfectoire avec un autre prisonnier appelé Chin? Kitchen area or in the dining hall alongside a person called Chin? Yes, I did. Oui, ça m'est and, arrivé. That's because, the prison building was full. C'est parce que le bâtiment de la prison and était I plein. Was allowed to on sleep a donc there together laissé with dormir the at the avec Ta kitchen. Chen, dormir and dans la cuisine. The guards was, nearby, les gardiens and étaient the à proximité chief of the prison was also et nearby, le chef where de I la slept. Prison aussi. Il était à proximité de l'endroit où je dormais. J'ai remarqué que vous aviez appelé Chin Ta Chin dans Chin un certain Ta-chin nombre de vos déclarations. In, quel âge avait cette personne pour que vous puissiez l'appeler Ta Chin? Who was this person? Who was he and why did you have to call him Ta Chin? I cannot say for sure. Je n'en suis pas certain. At that time, he was 50-something à l'époque, il avait environ 50 ans. Très bien, je vais y revenir plus tard. Very well. I'll return to that je vais topic continuer later alors on. Sur le plan D125-220.37. Peut-être qu'on peut le
affiché à nouveau à l'écran. On peut voir qu'il y a un lieu d'interrogatoire qui est éloigné de quelques dizaines de mètres des bâtiments où se trouvaient les prisonniers. Est-ce que c'est bien correct? Est-ce que c'est ça que vous avez dit aux enquêteurs du juge d'instruction? Is that indeed what you showed or told the investigators from the co-investigating judge's office? Yes, I did that. Oui. It was my estimation. It was more than 10 meters or almost 20 meters. Cela faisait plus de 10 mètres et près de 20 mètres. Il y a également une plantation de manioc qui est mentionnée. Est-ce que cette plantation de manioc s'étendait de part et d'autre, ou en tout cas entre le lieu d'interrogatoire et les différentes maisons de détention, est-ce que cette plantation de manioc permettait, depuis les maisons des prisonniers, de voir le lieu d'interrogatoire? From this area and from the prison areas, were you able to view the interrogation areas? We only could see the roof, not the building itself, due to the thickness of the plantation. Pas les bâtiments, parce que les plantations étaient très épaisses, denses. Est-ce que vous avez pu, durant les 5 ans où vous êtes resté à Krang Ta Chan, observer à quoi ressemblait le lieu d'interrogatoire? Observe what the interrogation area looked like. Can you please tell us or describe to us what the area looked like? Yes, I can do that. Oui, je peux At le the faire. Front, there was a low-level veranda. Sur le devant, le and devant, il y the une, interrogator de, would de sit on a piece of a wood. And they La also had a wooden chair sur, there. De bois, une chaise en bois. As for guards and cadres, they were sitting to the sides, les and the chief gardiens, was sitting at the front sur le côté, on that piece of wood. It was not a proper chair, en fait, but like a piece of wood. Véritable chaise en as bois, for mais the equipment, de they used a bamboo club. About that size, and there were three or four of them, and there were a few scarves and a plastic sheet to cover the face of the prisoners. Des sacs en plastique qui servaient à englober la tête, le visage des prisonniers. Est-ce que vous avez pu observer tout cela de l'extérieur du lieu d'interrogatoire, ou à l'occasion avez-vous pu rentrer from outside dans ce lieu the interrogation house, or were you from time to time permitted to enter the interrogation area? I did enter the interrogation room in order to sweep clean the floor. Je suis entré dans and cette I salle usually did that before they started sol. Working around 8 or 9 o'clock in the morning. En général, ils commençaient à travailler vers 8 ou 9 heures le matin. Je vais revenir plus tard sur les interrogatoires, mais later on I'll touch upon the subject of interrogations, but can you please tell us if there was sufficient room to interrogate two individuals, or could only one person be interrogated at a time? There was only one prisoner being interrogated at one point at one time. Est-ce que ce lieu d'interrogatoire disposait de murs solides? Ou was the interrogation sinon, room en quoi ces murs étaient-ils built faits? Of strong and solid walls? And if not, what were the walls made of? The front wall was made of a wooden plank, and it was just a low wooden plank up to the height of the west. And for the other walls, they used coconut tree leaves in between the bamboo sticks. Et ces feuilles étaient entrelacées avec des tiges en bambou.
Est-ce que vous pourriez nous donner une estimation de la distance qui séparait la cuisine ou le réfectoire des gardes du lieu d'interrogatoire des prisonniers? Guards dining hall and the interrogation house or area. The distance is the same, about more than 10 meters from the guards dining hall to the interrogation area. Il y avait plus de 10 mètres qui séparaient le réfectoire des gardes de ce lieu d'interrogatoire. Merci. Toujours sur ce plan, D125-220.37, sont décrits une fosse commune à l'est de Krengtachan, une grande fosse, au sud-est à l'emplacement d'un vieux donjon, et également, il est mentionné que des corps étaient enterrés au pied d'une ligne de cocotiers, au sud de Krengtachan. Pourriez-vous nous dire s'il y avait d'autres endroits où les prisonniers étaient exécutés et enterrés à l'intérieur de ce périmètre, de ce premier périmètre, ou si d'autres personnes ont été exécutées et jetées dans les fosses à l'extérieur de ce périmètre et Whose bodies were thrown into grave pits beyond that perimeter. Yes, there were, even for the outer part, that is along the fence, and they would plant coconut trees above. Prisoners who died every night, one or two of them, would be carried and buried there. And probably the depth of the pit where the body was buried was about only 60 centimeters. Et l'endroit où l'on enterrait les corps était situé qu'à environ 60 centimètres. Je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Est-ce que, en plus de ces trois endroits où de nombreux corps ont été ensevelis, y avait-il, en dehors du périmètre de ce plan, par exemple entre la première et la deuxième clôture, ou entre la deuxième et la troisième clôture, d'autres fosses où des cadavres ont été ensevelis? Yes, there were through the west of Waterpang village. Oui, à l'ouest du village de Waterpang. À partir de quel moment des cadavres ont été enterrés plus loin que le premier périmètre? Were bodies buried beyond the perimeter? That happened in 1977 when massive killings took place. Lorsque il y a eu des exécutions en masse. Et pouvez-vous dire à la chambre pourquoi est-il nécessaire à partir de 1977 et des exécutions en masse d'enterrer les gens à l'extérieur du premier périmètre? It was necessary to bury the bodies of those who had died in mass executions beyond the perimeter. Because there were too many burial places within the first perimeter already, so they had to do it at the outer perimeter. Sortir de l'enceinte. There is a little bit further beyond the second perimeter. Et franchir la deuxième clôture. Très bien, merci. Je voudrais maintenant, avec thank votre you. Permission, Monsieur le Président, with montrer une leave photo of the chamber, Mr. President, I would like to display a photo. Une photo qui a été prise par les enquêteurs quand la partie civile les a accompagnés au centre de Krengtachan en mars 2009. Il s'agit de la photo D125-220.24. Elle porte la référence P. 00 3 5 3 8 8. Avec votre autorisation, j'aimerais la donner à Monsieur la partie civile et la faire afficher à l'écran. A copy of this photo and have it projected on the screen.
Yes, you can proceed. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. La photo va s'afficher dans quelques instants. Mais comme vous l'avez sous les yeux, est-ce que vous pourriez décrire à la Chambre ce qui apparaît sur cette photo? Est-ce que vous reconnaissez les lieux? Do you recognize any of the places? Yes, I recognize it. Oui, je reconnais ce lieu. Initially, it was a small pond which was handmade. However, in 1977, the water reservoir to the south was where they buried the bodies. On a commencé à enterrer and les that corps vers l'ouest. Pond was initially dug by prisoners. Cette fosse avait été creusée par les prisonniers. Est-ce que vous-même avez creusé cette fosse avec d'autres prisonniers? Did you yourself dig this pit alongside other prisoners? Yes, I did. Oui. However, I only involved in the last part of the digging. Je n'ai participé qu'à la dernière and, étape. And that was in 1977 when they needed the place en to bury more bodies. Alors qu'ils ont eu besoin d'enterrer davantage de corps. Merci. Je vais revenir maintenant aux conditions de détention. Thank you. I want to talk now about the detention conditions at Krung Ta Chan and the various detention buildings. I'd like to read a segment from your written record of witness interview before the co-investigating judges, E3/5214. À l'IRN en français, 007-0-7-0-9-0-0. En anglais, 00-2-2-5-5-1-2. Et en Khmer, 00-2-2-3-0-6-9. Je voudrais citer ce que vous avez dit. Je cite vos propos. These are your words. Ces maisons de détention étaient construites en bois. Les murs étaient en latte, les toits recouverts de tuiles. Elles étaient encerclées par des grillages de fil de fer autour de la partie basse au rez-de-chaussée et au plafond. On the main floor chaque mur était and renforcé on par des planches de the bois. Roof, les prisonniers étaient allongés sur les planches et au-dessous desquels il y avait un grillage de fil de fer également. And there was also an iron fin grid. Citation. Vous avez largement confirmé ces déclarations aujourd'hui en salle d'audience. Could you confirm those, je voudrais maintenant vous montrer statements. Quatre photos. Qui ont été prises après 1979 like à l'intérieur du mémorial du site de Krung Ta Chan. La première photo que je voudrais montrer avec la permission de Monsieur le Président, il s'agit de deux photos. There are two photos. La première, c'est D313-1.2.150. Je répète, D313-1.2.150, qui porte la référence P004-0-7-1-2-3. La deuxième photo, and the second photo, c'est D313-1.2.151, qui porte également la référence P. Which is also referenced under P00-40-7125. Donc je demanderai, Monsieur le Président, de bien vouloir m'autoriser à remettre ces photos à la partie civile et à les projeter à l'écran également, successivement. And have them displayed on the screens. Yes, you can proceed. Le Président, allez-y.
Monsieur la partie civile, est-ce que vous reconnaissez ces lieux sur ces deux photos ou ce type de maison? Depicted in two of these photos. Do you recognize the houses? Yes, I do. Oui, je les reconnais. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit? Can you please tell us what they are? That was an old house, an old building, and initially it was not a detention center. Au départ, ce n'était pas un to the de south, détention. There was another dining hall. Vers le sud, il y avait un autre réfectoire. And the place where they put the bar fire was in 1979. And in fact, they used this kind of grill, as you can see, to show the handcuffs or the shackles. For other people to see. Et sur ce grillage étaient accrochés les menottes, les fers, in fact collected and stored in this house, and this house was not for the detention of prisoners. Donc it was a former office. Consacré à la détention. And later on, as I said, the bodies were collected and stored there, and the caps were displaced along the grill vault of the house. And later on, it was rebuilt. Par la suite, cela a été reconstruit. Merci. Alors, justement, aux fenêtres sont accrochées des entraves on the windows, there en métal. Are je vous demande de bien les regarder. Est-ce que ces entraves que vous avez devant les yeux étaient celles qui étaient utilisées à Krang Tachan ou étaient similaires ou identiques à celles qui étaient utilisées à Krang Tachan pour attacher les pieds des prisonniers? What was used at Krang Tachan to shackle the legs and feet of the prisoners? Yes, that is true that they were the shackles that were used. C'était les entraves qui étaient utilisées. Pourriez-vous nous dire si porter ces entraves était douloureux ou pouvait causer des blessures aux chevilles? To be cuffed by those shackles. In fact, I don't want to see it again. And if you look at my ankles, the sky remains there, and it's been many years already. And it reminds me to tell my grandchildren of what happened, that I suffered from such crime. Ce qui s'est passé et combien j'ai souffert de ces crimes. Veuillez m'excuser de poser ces questions qui raviveraient les blessures. Est-ce que chez certains prisonniers, les blessures causées par les entraves s'infectaient? Were the wounds that were caused by wearing these shackles prone to infection? Infection occurred and relapsed. Il pouvait y avoir and des thanks to my mother's soul, I actually killed small frogs and ground it with salt. Moi, and then I applied it on that wound area so that I could, it could be treated temporarily. Pour les assainir de façon provisoire. Alors, je reviens aux conditions d'hygiène qui prévalaient dans ces maisons de détention. Et vous nous avez déjà parlé de la façon dont les gens se soulageaient et dont ils mangeaient. Est-ce que les prisonniers disposaient d'eau, ils pouvaient se laver les mains avant de manger ou après s'être soulagés? After meals time,
I was ordered to carry a bucket, a handmade bucket of water. Je devais emmener un seau d'eau. And I carried that round bucket with a coconut shell and placed it de noix de coco along the row of where the prisoners were having a meal. And whoever wanted the water, they would use the coconut shell to fetch the water from that bucket. So whoever finished first would use the bucket that they used to have their meal. To take the water, to drink, and to wash their face. And they couldn't do it, they had to do it quickly, otherwise the guards would scold them. Pour ne pas se faire rappeler l'ordre par les gardiens. Lorsque les prisonniers mangeaient, mangeaient-ils avec les couverts ou avec les doigts? Did they eat with utensils or did they have to use their hands? Some prisoners would use the palm tree leaf to use as a spoon, or sometimes they would just empty the soup from the coconut shell. Parfois, ils se contentaient de boire leur soupe dans la. But most of them would use a palm tree leaf as a spoon. They would not allow prisoners to use a spoon, as they are afraid that the prisoner would use the spoon to unshackle themselves. So they were very strict on using on prisoners using any spoon. Les prisonniers étaient traités de façon très stricte et ils ne pouvaient pas utiliser de cuillère. Est-ce que l'odeur dans les maisons de prisonniers était supportable? Was the smell in the house in which the prisoners were detained bearable? After a while, the smell became normal. But at night time, because people relieved themselves in terms of urinating and having feces, they had to do it there. But the thing is, because of the lack of food, not many people relieved themselves, they only urinated. Ils n'allaient pas souvent à la selle, ils se contentaient souvent d'uriner. Nous avez dit que vous aviez été un prisonnier mis au travail et que vous aviez donc bénéficié de conditions de détention relativement meilleures que les autres. So est-ce que les prisonniers ordinaires étaient considérés par les gardes et les others. Cadres de Krang Tat Chan avec respect et dignité? Were the prisoners treated by the guards at Krang Tat Chan with respect and dignity? Response. There was no 100% respect, but when I was let out to tender buffalo, cows, and horse, but I could eat coconut fruit and also cassava root, and I can bake or cook them for meals. There was a pit for compost fertilizer, and we set fire, and I took one of the piece of cassava and cooked for eating. Dans la fosse et je me suis saisi de manioc pour ensuite le cuisiner et le manger. D'accord. Donc là, vous nous décrivez. Very well. Les aliments auxquels vous aviez accès. Mais en ce qui concerne les autres prisonniers, prisonniers ordinaires, vous avez dit qu'ils tenaient souvent qu'un mois sur place, étaient-ils considérés, selon votre observation, comme des êtres humains par le personnel de Krang Tat Chan? Were the others treated like human beings by the guards at Krang Tat Chan? Response. At that time, I was scary to watch. I had to respect them. We cannot make friends with them. Lorsqu'un prisonnier mourait dans une maison de détention, died in a detention
Combien de temps après le cadavre était-il retiré de la maison? At night. How long did it take the prison guards to remove the body? Respond. Anyone die at night? Si quelqu'un mourait pendant so, la nuit. So they kept the bodies until the evening. So they waited until the other prisoner returned from work, and then they removed the dead body. And I was the one who ordered to unshackle the dead body and remove. So I was ordered to remove the body at 4 or 4:30 in the evening. 16h ou 16h30 de retirer le corps. Si j'ai bien compris, cela s'appliquait if I understood your testimony correctly, that applied to the prisoners who are working. I believe there is a translation problem. Vous ne pouviez retirer le corps des maisons de détention que lorsque vous reveniez du travail, c'est ça? Whether you could remove the body from the detention center when you came back from your work. Response. After the prisoner returned and I was ordered to remove. So anyone who died at night, they would keep the dead body in shackle the next morning and wait until the evening, then they removed the dead body. Merci. Je voudrais maintenant revenir un petit instant sur I would like us votre interrogatoire to dwell somewhat à Krang Tachan. C'est on vous avez dit que vous aviez été arrêté interrogation at Krang Tachan. À un moment en 1974. You said you were arrested at a point in time in 1974. Si après vous êtes votre arrestation, vous avez été interrogé et combien de fois? Whether after you were arrested, you were interrogated, and how many times you were interrogated? Response. When I was sent to Krang Tachan, I was detained there rather long. It was about more than 10 days or even 1 month. And then I was interrogated. And after interrogation, I was let out to do labor during interrogation. The question was that, are you connected to anyone si at Ang Tasam or anywhere else? I responded no. And then they concluded the interrogation and I was sent back to the detention cell and in the next morning they let me out to clear the grass in the paddy field. Est-ce que l'un ou l'autre de ces interrogatoires a porté sur votre relation avec Did votre père? Any of the two interrogations have to do with your relations with your father? អត់មានសួរទាំងអស់សួរតែប៉ុណ្្នឹងសួរតែខ្ញុំមានតាក់ទងទៅកែវទៅអង្គសោមួយទីនោះណោះ Those questions were saying were you connected to anyone in Ang Tasam or anywhere else in Takao, and I responded no. Question auxquelles j'ai répondu par non. Vous souvenez-vous du nom de la personne Do you remember the à propos de laquelle ces questions vous étaient posées, la personne de Ang Tasam? Called Ang Tasam, regarding which that question was put to you. Respond, no. No. His question was, did you any connect to anyone inside there? À quelqu'un and the former chief An told other people that
And Chen Hu told the chief, saying that please spare his life because he knew nothing and he is now maintained connection and relationship with me, and Chen is now living in Unlongwen. C'était Chen qui avait donné cet ordre. Maintenant, il vit à Unlongwen. Dois-je comprendre que c'est Chen qui vous a interrogé? The person est-ce qu'il y avait d'autres personnes présentes lors de ces deux interrogatoires? Was the only person present, or there were other persons present during those interrogations? But admin respond. Yeah. There was no one else. Only Tachen. Seulement Tachen. And Tachen and Cheng were there et before Tachen et An. Cheng étaient là avant An. Vous étiez tout seul avec lui dans le lieu d'interrogatoire ou bien il y avait d'autres you personnes qui assistaient mais qui ne posaient pas de questions? In the room in which you were interrogated, or there were other persons present in that room during that interrogation? During those interrogations. But no, none can you cut off by net. Respond. There were three Khmer Rouge cadres, but only Chen who interrogated me. One of them was the soldier, and it was called an office for them. It was a temporary office, and one c'était of the soldiers armed temporaire. With a rifle standing on des guard. Avec des fusils qui étaient de garde. Merci. J'en viens maintenant à thank la you. Période qui suit le let 17 avril 1975 following the 17th of April 1975 and the various roles you played vous en avez évoqué in Grand Tachan Center. Nombre. You have already referred to a number of them. Mais je voudrais vous lire un extrait I would like to read out to you de votre procès-verbal d'audition E3 of your bar 5214 à la côte en Khmer 00-22-30-63 en français 00-70-28-94 94 et en anglais and in English 00-22-22-55-55-07 jusqu'à 08 up to 08. Donc je cite votre déclaration and I will quote your statement. Je le savais parce que moi I knew on ne me considérait plus comme les I was autres no prisonniers considered as the other prisoners parfois were. On me demandait de at surveiller times, à l'instar des soldats qui travaillaient là-bas. They asked that I should be monitored, mais je n'avais pas d'armes like the soldiers et on ne me permettait there, pas d'aller loin. Have any weapons, parfois, on and m'ordonnait I could not de compter le sometimes, nombre de prisonniers. I was ordered to count the number of prisoners. Ceux-ci étaient massacrés tous les jours. The prisoners were being massacred les manières d'emmener les prisonniers à l'exécution étaient ainsi. The d'abord, method of taking on m'ordonnait de déverrouiller les barres de l'extérieur, first, they puis used Penn, me to unlock qui était le membre, déclaré aux prisonniers. Maintenant, certains d'entre vous vont être libérés pour retourner à la coopérative. Il faut respecter l'ordre de l'encar dans la coopérative. Ne faites rien qui s'oppose à l'encar, à la roue de l'histoire. Ces conseils ont été donnés à la porte de la prison. On n'entrait pas à l'intérieur, car dans la prison, se dégageaient des odeurs nauséabondes d'excréments, d'urine, etc. Penn prenait la liste et faisait l'appel des prisonniers qui devaient être exécutés. Il faisait sortir quatre personnes à chaque fois. D'abord, on les amenait sur le lieu des interrogatoires, puis on leur disait qu'on allait leur ligoter les mains et bander les yeux, en prétextant que c'était pour éviter de provoquer une rancune contre l'encar. Ensuite, on les emmenait au lieu de l'exécution. Quand on exécutait les prisonniers, on m'ordonnait de couper du bois, d'allumer le magnétophone pour faire passer la musique à travers les haut-parleurs pour couvrir les cris des prisonniers. Fin de citation. Vous avez confirmé en grande partie tout ce qui a été dit dans cette citation, mais je voudrais revenir point par point sur ces différents rôles et obtenir un peu plus de détails de votre part.
one point at a time. Et tout d'abord, vous avez dit dans cet extrait all, que vous deviez parfois surveiller les prisonniers, you had to mais que vous n'aviez pas d'armes, évidemment. Pourriez-vous nous dire à quels endroits ou à quelles occasions vous deviez surveiller les prisonniers? You had to monitor the prisoners. Response. Yeah. Yes, I can indicate that. When I was sent to the cell, so before I was ordered to second myself, I was ordered to count at the prisoner. So they would ask me how many prisoners are there. In a row, I told 25, and another row, how many? 24, for example. D'accord, mais sur la surveillance des prisonniers, est-ce que vous aviez un rôle quelconque à jouer? Par exemple, over the prisoners, accompagner any particular role to des prisonniers for instance, à l'un ou l'autre endroit, au travail, etc. Quel était votre rôle en tant que surveillant à l'occasion de certains prisonniers? What was your specific role as someone assigned to watch over the prisoners? Response. When they were let out to do rice growing, for example, there were seven prisoners, and as there were so many prisoners, and they ordered to me saying, you must stay here to watch them, and be careful if any prisoner escapes, you will be killed. Yes, I did the watching at that work site. Est-ce que les sites de travail de ces prisonniers se situait à l'intérieur du premier périmètre ou regarding the sites where those loin, prisoners went au sein to du work, deuxième ou du troisième périmètre? Within the first, second or third perimeters at that camp. Response. That work site was outside the first, it was between the first and the second fence of the perimeter. Merci. Vous avez dit tout à l'heure thank you. Que vous deviez compter le nombre de prisonniers. That you counted si j'ai bien compris, c'était compter le nombre de prisonniers au sein de la maison de détention the detention où vous dormiez. Building, where est-ce you que were c'est sleeping? Bien ça? Is that correct? Respond, yes, I did the counting oui, in the décompte, detention cell. De it happened in the evening c'était when they sent prisoner back to be unlocked in a shackle. So I did the counting and I report entravé. To Là, him and later they would come and count for themselves every ensuite, 30 minutes or 1 hour at night. Les 30 minutes ou toutes les heures le soir. Combien dans votre maison de détention y avait-il de prisonniers how many prisoners en général were there sur chacune des dérangées? The building in which you were detained in all, that is, putting the two rows together. Respond. The number of prisoners varied from time to time. Sometimes we have 20 today and some were removed and others were sent in sometime 30 prisoners at a time. On pouvait aller jusqu'à 30. Vous avez parlé déjà à plusieurs reprises du fait qu'après you les événements du 17 avril 1975, il y avait eu un afflux massif de prisonniers. Est-ce que à ce moment-là, les quatre maisons de détention suffisaient à accueillir l'ensemble des personnes, des prisonniers qui arrivaient à Krang Ta Chan to house all the prisoners who were brought to Krang Ta Chan?
Yes. There were prisoners who were already detained. As, il y avait des prisonniers qui étaient déjà détenus. Those prisoners who were base people were detained for longer than the 17 April people. For anyone who were famous, for example, the movie actress and actor, including Kum No Wa, Nop Nam. So the personnel told me their names. And then they took the husband for execution, and the staff touched her cheek and touched her body, and their children asked how long that will stay there, and the mother told the children that he will come back, and later they sent Kim Noa and her children. So they were killed around 4 p.m. in the afternoon. Je n'ai pas tout à fait suivi ce que vous avez dit. J'ai bien compris que vous parliez de l'épisode où deux acteurs ont été tués. Quand ils sont arrivés, est-ce que ces acteurs-là ont été logés dans les bâtiments when the prisoners des prisonniers were in, ou bien were they kept ont-ils été in the buildings exécutés of the prisoners, or they were dormir dans ces maisons executed without even having to sleep in those two buildings? Respond. When Nop Nam was sent there, I don't know him. The chief of the Krang Ta Chan told me. Le chef de Krang Ta Chan me l'a dit. And they said they will send Nop Nam to see Ong Kha, and he was taken for execution, and his wife was sitting before or in front of Ta'an's office, était assise and devant le bureau de Ta'an. He touched her body, celui-ci and then lui a touché le after corps. They were all executed, ensuite, he told exécutés. Me that was the family of et Nop Nam, who was a famous movie star in the old regime. That's why I know. Le célèbre acteur du régime précédent. Merci pour ces détails, mais ma question était thank de savoir you si for this detail. My question ces gens-là was aimed ou le groupe de gens avec lesquels from ils you. Étaient whether those people sont entrés à Krang Ta Chan et ont été exécutés presque immédiatement. Krang Ta Chan and were executed almost immediately, or they spent a few days in the building housing the prisoners before they were executed. There were two categories of prisoners. They would keep the base people prisoners for longer, and for the 17 April people, for those who were the former soldiers, who were captain or lieutenant, they would detain them no longer than 1 week. And for the 17 April prisoners, they kept some of them a bit longer, but later they were also executed. Mais en fin de compte, ils étaient également exécutés. Est-il arrivé que, concernant le peuple du 17 avril, regarding the 17 April people, certaines de ces personnes n'aient pas dormi en prison some of those people parce qu'il y avait trop de monde déjà dans les maisons de détention. Sleep in the prison because there were too many people at the detention center or in the prison. Respond, no, it was not like that. No. For the 17 April people, for example, for the high-ranking official, they were brought and kept outside at the house, and place, the staff served them coconut
for them. Personnel leur donnait des noix de coco. I heard that from Tachun and Chen. C'est Tachun et Chen qui m'ont and, dit. And one of the victims was the L'une commander victimes, during the old regime. So I heard from Tachun. C'est Tachun and qui they m'a were dit. Kept outside. Ces gens étaient gardés à l'extérieur. So and they were marched in line to the killing site. They were not brought into the detention building. Au centre de détention. Ils n'ont pas été conduits dans le bâtiment. D'accord. Merci beaucoup. Very well. Thank you very much. Je voudrais, dans, pour les minutes qui restent, reparler de la procédure left, qui était l'application pour emmener les prisonniers à l'exécution. The procedure whereby dans l'extrait que j'ai lu, il était executed. Question que vous déverrouillez les barres de l'extérieur des maisons de prisonniers. Et ensuite, il était dit que Penn faisait l'appel des prisonniers qui devaient être exécutés. Et il leur camp. Disait qu'ils seraient emmenés à and la coopérative ou chez eux. When the prisoners were being taken quelle était out la réaction des prisonniers they were told quand ils entendaient qu'ils retourneraient à la coopérative? How did those prisoners react to the statement that they were being taken to their homes or to the cooperatives? Respond. Some of them feel very sad, but some others were clapping and enjoy after that statement. And for those who had an idea what is going cela. To happen for them, they were feeling sad, une idée I observed. De ce qui leur arriverait était accablé. Dans l'extrait que j'ai lu, il est dit que ensuite, on les a amenés au lieu des interrogatoires. Pourriez-vous nous dire qui exactement a amené les prisonniers au lieu d'interrogatoires? Tell us who took et qui the prisoners leur ligotait les mains et to leur bandait les yeux? Est-ce qu'il y avait des gardes spécifiques who qui faisaient cela? Bound their eyes? Do you know any specific cadres? Response, they would bring one prisoner for interrogation at a time. Cheng was the one who took the prisoner Cheng and he would unshackle and walk the prisoner to the interrogation house and then brought au lieu de l'interrogatoire so et ensuite leur amener l'interprète se reprend il s'agissait d'interrogatoire avant l'exécution so à chaque fois cela durait une heure gave, a good answer, si quelqu'un répondait bien return. Il était autorisé à rentrer so he told me to go to the southern il m'a dit area d'aller and vers le sud. Ta Cheng and me Ta Cheng were ordered to drag the body into les corps and thrown into the pit. Les jeter dans une fosse. Merci. En fait, je crois qu'il y a une confusion, monsieur la partie civile. I believe there is some dans l'extrait confusion. Que j'avais lu, there's a mix-up parlait somewhere. Toujours du processus menant à l'exécution. In the extract, et comme, I read out, comme always étape talking intermédiaire, of the execution il était dit qu'on les amenait procedure. Vers le lieu des interrogatoires pour les, leur ligoter les mains et leur bander les yeux. Donc je ne parlais pas des interrogatoires eux-mêmes. Hands and blindfold them. I'm not talking of the interrogation per se. I'm talking of the stages leading to est-ce que vous pourriez nous dire si, en ce qui concerne les enfants, est-ce qu'on leur ligotait les mains et bandait les yeux également children. Avant de les exécuter? Were they bound and blindfolded as well before they were executed? Response. For children, I witnessed only in one incident when I was in a sugar palm. Je n'ai assisté so I don't know the procedure in which they kill other children. I witnessed only the execution of the adult prisoner. Je n'ai assisté qu'à l'exécution de prisonniers adultes. Concernant les adultes, regarding pourriez-vous donner les noms
des différents soldats ou gardes qui escortaient habituellement les prisonniers à l'exécution et qui les exécutaient. Vous avez cité 12 gardes tout à l'heure. Pouvez-vous nous dire si c'est l'ensemble des gardes qui participaient aux exécutions ou plus particulièrement certains d'entre eux? Who took part in the executions, or only some of them? Response: when I was there for years, so the chief would patrol with his knife, and other soldiers and guards did the killing. All of them participated in the killing. Vous avez dit également que vous deviez passer de la musique ou couper du bois pendant les exécutions. Pouvez-vous nous dire où se trouvaient les enceintes acoustiques qui passaient la musique? Execution. Where were the instruments used for playing music? Yes, there was a tree at the gate, and the kitchen was 5 meters away from that. There was the loudspeaker installed there, and I was ordered to chop the firewood, and I was chopping when I saw they took the prisoner away, and we play music on the loudspeaker and we increase the volume at their order. Nous montions le volume conformément aux ordres reçus. Est-ce que les haut-parleurs étaient dirigés vers les maisons des prisonniers ou plutôt à l'opposé vers le lieu d'interrogatoire, par exemple? Towards the camp where the prisoners were held, or directed towards the execution site where the prisoners were being executed? The loudspeaker was installed with the direction to the detention building where the prisoners were detained. Merci. Donc, thank you. Si j'ai bien compris, vous deviez vous deviez faire passer la musique, properly, etc. Chaque fois qu'il y avait une exécution, music, combien de temps avant chaque exécution there were executions, vous donnait-on l'instruction de creuser des fosses? And you also had to dig pits. When did you do that? How long before the executions did you have to do that? Respond. For example, the killing will be in this evening. They order me, Tachen and Tanon, and one of the soldiers were there to watch us, and they would order us to follow his instruction, especially the size of the pit, and then we did that. And when we complete, we were digging at the order and at the supervision by the soldier. C'était terminé, et donc nous creusions sous les ordres des soldats et sous leur supervision. Si les exécutions avaient lieu le soir, est-ce que cela veut dire que if il vous est arrivé très souvent evenings, de sortir de votre maison de détention pour very often had to devoir leave reboucher ou remettre de la terre sur les personnes qui venaient d'être exécutées? Ou bien deviez-vous attendre le lendemain avant de recouvrir les corps? Who had been executed, or you had to do that the following day in the morning? After the execution, they used the soil to cover the dead bodies, except the pits which is very deep. So, for example, it is too deep for 30 corpses. So, a day or two after,
There was a smell, a strong smell or stink. It was very bad, and the chief called me, Sen, please go to the south. And I understand that he ordered me to cover, to use the soil to cover the dead body. And later they used the same pits for burying the corpse. Et par la suite, ils ont utilisé les mêmes choses pour President, thank you, co-prosecutor. The trial chamber wishes to adjourn for today. L'audience d'aujourd'hui touche à sa fin. And Mr. Soy Sen, the chamber, Monsieur thank you for your time Sen, today. Merci d'être venu à la barre your testimony Votre has not come to a conclusion. Terminée. You are invited to give testimony on the 5th of February 2015 from 9 a.m. Now you are excused and you can return disposer. To your residence. Court officer, please work with the Wessu and coordinate his transport to his residence and have them back to the courtroom tomorrow before 9 a.m. And the chamber also thanks for the staff from TPO and you are also excused and you are also invited to return tomorrow for the hearing. Security personnel are instructed to bring back the two accused to the detention facility and have them back to follow the proceedings tomorrow before 9 o'clock. The court is adjourned.